que je vous dis que c'est une sirène? Mais non, Jérémy, tu sais bien que les sirènes sont un mythe. Comment tu peux le savoir, Lisa? Parce que je le sais, c'est tout. Où avez-vous trouvé cette photo, les mini-trucks? C'est moi qui l'ai trouvée dans ton atelier, grand-père. Qu'est-ce que c'est sur la photo? Oh, oh, oh! C'est un mystère! Le mystère des mers! S'il te plaît, grand-père, dis-nous ce que c'est! Que diriez-vous de le découvrir par vous-même? Tous à la Trucks Control! Les mini-trucks, vous allez rejoindre Eve, le sous-marin. Elle vous aidera à résoudre ce mystère. Tu vas nous équiper de modules sous-marins? Exactement, Lisa. Mais pas seulement, vous allez aussi être doté d'appareils photo sous-marins. À vous de jouer! On va photographier la sirène! Ce n'est pas une sirène, Alex. Ça n'existe pas. Pas vrai, grand-père? Oh, oh, oh. À vous de le découvrir! Tenez-vous prêt, je programme la rampe de lancement pour vous envoyer en pleine mer. 4, 3, 2, 1, Mini Trucks, go! Bonjour les Mini Trucks. Prêt à résoudre le mystère des mers? Oui! Là-bas, regardez! Attends, Alex! Ne pars pas tout seul! Où sont passés Alex et Alice? Ah! Un monstre! Mais non, c'est une baleine. Elle est très gentille. Elle ne veut pas vous faire peur. Waouh! Qu'est-ce qu'elle est grande! Regarde! Là! On va enfin savoir ce que c'est! Mince, on l'a raté de peu! Un sourire, madame? C'est dans la boîte! Alors, comment se passe la séance photo? C'est elle, le mystère des mers? Rappelez-vous la photo, la queue était petite et bleue. Soyez observateur! Il y a quelque chose qui bouge là-bas! Allons voir! Il est là! Je t'avais dit qu'il ne nous échapperait pas! Voilà. J'ai un plan. On va passer par la droite et vous par la gauche. Nous allons l'encercler pour le prendre en photo. À 3, 1, 2, 3. Oh, ce poisson est magnifique avec toutes ses couleurs. Il est encore plus beau qu'une sirène. Un poisson arc-en-ciel. En réalité, on l'appelle le poisson perroquet. Il est très rare et très difficile à prendre en photo. Alors, les mini-trucks, vous avez découvert le mystère des mers? Oui! C'était un poisson perroquet, encore plus majestueux qu'une sirène. Et avez-vous réussi à le prendre en photo? Oui, mais comme sur la tienne, on ne voit qu'un bout de sa queue. Le principal, c'est que vous l'ayez vu de vos propres yeux. Vous avez mené à bien votre exploration sous-marine. Vous avez mérité la coupe du mystère des mers. Ça, c'est du travail d'équipe. On va devenir de vrais super trucks. Ouais.
je te dis que c'est le volant d'une voiture? Non, Alex, je suis sûre que c'est un ancien jouet en bois. Oh, 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 mais que se passe-t-il, les mini-trucks? Regarde ce qu'on a trouvé dans ton atelier, grand-père. Tu sais ce que c'est? Bien sûr, c'est un morceau de gouvernail. Il appartient au navire perdu de Sam le pirate. Le gouvernail d'un bateau pirate? Ce serait chouette de retrouver l'autre moitié. Mais toi, grand-père Ted, tu sais où il se trouve le navire de Sam? J'ai bien ma petite idée. Tous à la Trux Control. Les mini Trux, puisque ce bateau de pirate vous passionne, ce sera votre nouvelle épreuve. Vous devrez récupérer l'autre moitié du gouvernail du navire perdu de Sam le pirate. Mais s'il est perdu, comment allons-nous faire pour le retrouver? Eve, la plus grande exploratrice des fonds marins, vous guidera dans cette nouvelle mission. Génial! J'ai hâte de faire sa connaissance. Vous êtes prêts à la rejoindre? Oui! Pour pouvoir vous déplacer sous l'eau, vous serez équipé de modules sous-marins. Waouh! Alors on va devenir de vrais explorateurs des fonds marins? J'espère bien! Je programme la rampe de lancement. Faites bien attention à vous, les mini-trucks! Trucks, go! Salut les mini trucks, je suis Eve. Prêt pour l'exploration? Oui! Vous verrez, les fonds marins sont aussi magnifiques qu'effrayants. Vous devrez être prudent. Même pas peur. Je vais vous guider jusqu'au navire perdu de Sam. Encore faut-il que vous arriviez à me suivre. Oh là 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 là! Elle est trop rapide! Vite! Les mini-trucks? Là-bas, un monstre géant! Mais non, ce n'est pas un monstre! Ah bon? Qu'est-ce que c'est alors? C'est un banc de poissons. Ils voyagent ensemble pour se protéger et avoir l'air plus effrayant. Waouh! Ils sont trop forts, ces poissons! Ah! Regardez! Attention, les mini-trucks! Les algues peuvent être de vrais pièges. Pourquoi? C'est juste des plantes qui poussent sous l'eau. Vous verrez bien. Allez, on fonce. Je parie que le navire est juste derrière. Oh non, je suis coincée. À vous de jouer, les mini-trucks. C'est l'algue qui s'est enroulée autour de ton hélice. Il faut juste l'enlever. Regardez. Je n'y arrive pas! J'ai une meilleure idée! Il faut la couper! Tu as réussi! Wouhou! Bravo, Alex! Wow. Le navire perdu de Sam le pirate! Le morceau de gouvernail ne doit plus être très loin! L'autre moitié du gouvernail. Wouhou, on a réussi. Félicitations, les mini-trucks. Vous êtes maintenant de vrais explorateurs des fonds marins. Je suis fière de vous. Bravo, les mini-trucks. Vous avez retrouvé l'épave perdue et ramené la deuxième moitié du gouvernail. C'est Sam le pirate qui va être content. Youpi! Vous avez bien mérité la coupe des explorateurs marins.
vous est arrivé? On a voulu faire un parcours du combattant. Mais c'est plus difficile que ce que je croyais. Et alors? Vous n'allez quand même pas abandonner. Grand-père, regarde, on n'y arrivera jamais. Les mini-trucks, avec de la persévérance, vous pourrez y arriver. Persévérer quoi? Persévérance. Être persévérant, c'est ne pas se décourager. Et vous savez qui pourrait vous aider? Tony Truck. En tout cas, vous ne manquez pas d'enthousiasme. Tous à la Trucks Control. C'est parti! Les mini-trucks, pour vous apprendre à être plus persévérant, je vous mets au défi de réussir un parcours du combattant conçu spécialement pour vous par Tony Truck. Mais d'abord, il faut penser à votre sécurité. Alors ça, c'est des vrais casques de compète. Et ce n'est pas tout. Wow! Des pneus de Monster Trucks. Génial! Et maintenant, allez vous équiper. Je programme la rampe de lancement pour vous envoyer au skatepark. Prêt au décollage? 4, 3, 2, 1, Mini Trucks, go! Salut les Mini Trucks, ça roule? Bonjour Tony Truck! Alors comme ça, vous voulez apprendre la persévérance? Ça tombe bien! J'ai préparé un parcours du combattant spécialement pour vous. Il comporte 4 épreuves. Pour commencer, un slalom entre les plots. Puis, la traversée du pont de ficelle. Une figure sur la rampe de skate. Et pour finir, un saut par-dessus la piscine boueuse. Alors, prêt à relever le défi? Il a l'air difficile, ce parcours. Pas de panique. Chaque épreuve vaut 1 point. Vous devrez gagner 3 points minimum. Alors, même si vous en manquez une, n'abandonnez pas. Et maintenant, c'est parti pour la première épreuve. Et un point pour moi. Repassage. À mon tour. Allez, Jérémy. Oh non. Ne te décourage pas. Il reste 3 épreuves pour te rattraper. Allons à la suivante. Pas de bobo, Alice. Ça va, je ferai mieux la prochaine fois. Super, Lisa, à ton tour. Bien joué, Lisa. Et dehors. Bravo. Lisa et Alex arriveront-ils à rester en tête après l'épreuve suivante? Bravo! Et maintenant, l'épreuve finale! 3 points au compteur! Et le quatrième bientôt dans la poche! C'est pas grave, Alex! Nous avons tous raté une épreuve! Mais t'as quand même tes 3 points! Youpi! J'ai réussi! Bravo, les mini-trucks! 3 points chacun! Vous avez tous réussi le parcours du combattant! Youhou! On a gagné! Félicitations, les mini-trucks! Ces épreuves étaient vraiment difficiles! Et pourtant, vous avez tous persévéré! Je suis très fier de vous! Vous avez bien mérité la grande coupe du parcours du combattant!
que vous faites, les mini-trucks? Grand-père Ted, regarde, on a préparé une soupe. Oh là là, de la boue, des cailloux... Et un peu d'herbe. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait une soupe. Je connais quelqu'un qui pourra vous apprendre. Tous à la Trucks Control. Les mini-trucks, pour votre épreuve du jour, vous allez rejoindre Chef Cookie au restaurant. Pourquoi on l'appelle Chef? Parce que c'est le chef de tout le monde. Mais non, Alex. Chef, c'est le nom qu'on donne aux cuisiniers qui travaillent dans un restaurant. Des chefs de cuisine. Vous allez devoir l'aider dans une de ses préparations. Je vais donc vous équiper de bras mécaniques pour que vous puissiez attraper et manipuler tout ce dont vous avez besoin. Je programme la rampe de lancement pour vous envoyer au restaurant. Soyez prêts à devenir de vrais chefs cuisiniers. Alors, à ce qu'il paraît, vous êtes des mini-chefs en herbe. Oui, mais on n'est pas encore très doués. Je vais vous aider. Voici la liste des légumes dont j'ai besoin pour ma soupe. 3 carottes, 2 pommes de terre et une tomate. Vous trouverez tout ça dans le potager qui est derrière le restaurant. Faites 2 équipes et la première équipe qui revient avec tous ces ingrédients a gagné. Alex, t'es avec moi. Alice, on sera ensemble. C'est parti. Bravo Alice, on a 3 carottes. À mon tour. Oh, ça ressemble à une tomate, non? Ouais, allons chercher des pommes de terre. Super, des pommes de terre. Et on en a pile 2. Regarde, ils ont l'air d'avoir bientôt terminé. Vite Alex, il faut qu'on trouve les autres ingrédients. Là, il y a des carottes. De l'herbe. Ce n'est pas grave, regarde là-bas. Des tomates. Il y a juste à les attraper. Vite, ils vont arriver en premier. Avance Alex. Vite Lisa, on y est presque. Ça, c'est ce que tu crois. Oh non, ils ont gagné. Alors, voyons voir. Carottes, c'est bien. Pommes de terre, c'est bien. Ah, mais il vous manque la tomate. Mais on a une tomate. Ce n'est pas une tomate, c'est un poivron. Regardez, ça, c'est un poivron. Et ça, c'est une tomate. Ah, vous, vous avez trouvé la tomate. Bravo. Pommes de terre, c'est bien. Oh, mais il vous manque les carottes. Finalement, à vous quatre, vous avez réussi à me rapporter tous les légumes de la liste. Donc on a tous gagné? Exactement. Et hop, dans la soupe. Et pour vous féliciter, de vrais tocs de chef. Wow! Regarde, grand-père, on est tous des vrais chefs maintenant. Bravo, les mini-trucks. Je suis fier de vous. Alors... on la goûte, cette soupe. Moi d'abord. Moi d'abord. Les mini-trucks, vous avez bien mérité la coupe des chefs cuisiniers.